remonte ton pantalon. Salut à tous, c'est Cyanure bien faire et... ça là. Et Omerdouille, et bienvenue Salut. Dans une nouvelle série, dans la suite d'un point 6 en fait tout simplement. 1.7 VS Noob. Voilà, pouf, on repasse en vue comme ça. Bienvenue, nouvelle série, nouvelle mage, et quel mage, et je lag. Enfin, je... Waouh. Ton histoire de mip-map level ou je ne sais quoi... Je sais pas, peut-être enlève l'anisotrope filtering, c'est peut-être ça qui consomme plus de ressources. Alors, je sais plus. Bon, voilà, dès le début, vous voyez qu'il y a une chier de changement d'options, et je crois que mon jeu a recrash ou un truc dans le genre. Voilà. Ouais, non, j'ai toujours des performances un peu merdiques, mais c'est parce qu'il est en train de recharger toute la map. Donc, bienvenue, donc, vous êtes dans la suite d'un point 6, donc on a gardé la même map qu'un point 6. Bien sûr, on a des endroits pas à découvrir. Pour les d'ailleurs, maintenant, niveau ressources pack, tu peux en gérer plusieurs en même temps, c'est mieux fait. C'est... Ouais, donc 1.6, on va pas vous résumer tout ce qu'on a fait, on a juste fait cette baraque, les chevaux, enfin bref, on vous montrera tout vite fait. Et il va falloir lire aussi la liste du wiki, un petit peu vous donner toutes les nouveautés de la série. Alors là il y a un gros trou, c'est le ranch, si vous n'avez pas vu les deux derniers, les deux derniers épisodes d'1.6, c'est là où il y aura le futur ranch quand on le construira. Alors au niveau des ajouts, ça va être très long de tout dire, mais je vais essayer de tout dire, donc je vais me mettre en vue comme ça dégueulasse. Donc il y a plein de nouveaux biomes. Alors les biomes, je vais pas tous les résumer, quand on les découvrira, je vous les dirai. Mais entre autres, il y a la savane, le mesa, des variations des biomes déjà existants, voilà, enfin plein de trucs. Sinon, il y a des changements, il y a des nouvelles fleurs, avec plein de nouvelles fleurs, et des modifications des fleurs qui existaient déjà. Une cohérence dans le placement des biomes, machin, ça on verra bien. Des pastèques qu'on peut trouver dans la jungle, des plages de gravier, nanana, correction de bugs de lumière, modification du système de pêche. En fait, je crois que ça va être chiant de faire toute la liste, je vous mets un lien du wiki dans le truc. Mais je vais dire un petit peu tout ce que je peux lire comme ça très vite. Nouveau trophée Adventuring Time, celui-là je le veux. Des nouveaux trophées, de cloner les livres écrits. D'accord, donc apparemment on peut cloner. Oui, on peut cloner. Les maps sont mieux faites. Quand on est sous l'eau, on ne peut plus voir la surface de l'eau, ce qui est assez bizarre. Des nouveaux enchantements, des nouveaux blocs, dont le Podzol, je ne sais pas ce que c'est. Et la terre anti-herbe, donc j'imagine que c'est de la terre où il n'y a pas d'herbe dessus. De la glace coupée, l'herbe. Le sable rouge en plus du sable normal. De nouveaux arbres, l'acacia et le chêne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors au niveau des fleurs, il y a les bleus et azur, les marguerites, les coquicolis, les pivoines, les tournesols, les rosiers, les lilas, les fougères. Des nouveaux types de poissons qui vont bien sûr avec l'amélioration de la pêche, du vert teinté, des vitres teintées, des nouvelles potions. Maintenant les creepers explosent directement dès qu'on les touche avec un briquet. Tu fais clic droit avec un briquet sur un creeper et te pète à la gueule, c'est très dangereux. D'ailleurs, je voulais voir les sons, parce que maintenant on peut modifier le volume des sons. Modification des options, modification des sons, enfin des options de sons. La canne à sucre change de couleur en fonction du biome. Les barreaux de fer et les vitres se connectent désormais entre eux. Les cartes et les cadres couvrent maintenant la totalité du bloc. Les chaudrons remplis d'eau peuvent éteindre les entités en feu. Enfin bref, plein de conneries. Vous lirez le wiki que je vous mets donc en lien de vidéo. Et on va vite revisiter la maison d'1.6 histoire de mettre à jour ceux qui découvrent la série ou ceux qui n'ont pas fini 1.6 et qui... Voilà. Déjà, remarquez une différence. Là, je suis sûr, je le dis à Omer, il y a une différence de couleur ou de je ne sais quoi. Peut-être. Bref, c'est plus pareil. Je pense que c'est... C'est vrai que le marais a l'air plus marron. C'est cette histoire peut-être. De cohérence des biomes, je pense, qui a apporté quelques changements. J'ai un nouvel arc depuis la 1.6. D'ailleurs, quand on était dans les montagnes, là, j'y pense... Ah tiens, coupe un arbre, qu'on voit la nouveauté complètement inutile des succès. Donc on a plein de chevaux, on a une vache à l'envers, on a James Baxter... Oui, je pensais... J'ai pas une hache. Putain, voilà notre maison, voilà Robert. Notre... Quand on est dans les montagnes, il faudra laisser la pluie parce que maintenant dans les montagnes, dans les hauteurs des montagnes, il neige. Ah, d'accord. Qu'il y a de la neige qui... Ah, par contre, c'est intéressant ça. Là, c'est intéressant, poubelle, mais c'est mal fait quand même. Voilà, donc un achievement que a eu Homer. Au niveau de la neige, ouais, c'est mal fait parce que c'est pas en fonction de la hauteur, c'est en fonction du biome. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu fais une plateforme je crois que c'est super couche 90, en fonction des biomes aussi, parce que dans un désert, ouais, par exemple, ouais. Même si si tu fais une plateforme en haut de la couche 90, t'auras pas de neige. Non mais ça se tient, parce que ce serait trop compliqué de faire en fonction de la hauteur. Genre un désert, mais un désert même très haut, il neige pas quoi.
C'est assez logique. Oui, non, mais ça oui. Ça, c'est quand même mal fait. Enfin. Donc voilà, ça c'est la salle des coffres, vous la connaissez si vous avez 1.6. Ça c'est la salle des fours et tout le bordel qui va avec. D'ailleurs, on a rien fait que là. Il y a toujours Robert qui traîne dans le coin. La salle du bacon, vous l'avez vu il y a 2 secondes, j'y étais. La salle du Nether, on va la refermer parce qu'on a été envahi encore par des potes de Robert qui sont repartis quand même dans le portail, bien heureusement. Du coup, j'ai bloqué le portail. Et si on monte, on trouve la maison qu'a fait Homer. D'ailleurs, la maison, faudrait l'améliorer avec des vitres teintées. C'est ce que je pensais, et mettre la couleur de chaque. Voilà, petit. Exactement. Oh là 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 là, que d'idées. Ça sera à faire. En commun. Bref, ce sera à faire à l'occasion. Les vitres se connectent entre elles maintenant. Oui, mais c'était. Bon, ici, on a non, ajouté les barreaux. Avant, tu mettais un barreau à côté, ils ne se connectaient pas avec la vitre. Ah, d'accord, c'est les trucs différents qui se connectent entre eux. Ça, c'est les portes de sécurité pour que Robert s'enfuit pas. Le pont, vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans le jeu. Le champ qui maintenant poussé. Ah merde, ça pousse pas du mauvais du et côté. La petite cascade qui s'en va, on n'a pas d'élevage de bétail. Il nous faut des bateaux, tu avais dit, parce qu'on compte traverser l'océan. Or, aujourd'hui, c'est 2 premiers épisodes de tournage. Exploration, on va essayer de chercher des nouveaux biomes dans les zones qu'on n'a pas générées. Vous pouvez voir des différences, tiens. Première différence au niveau des fleurs, les fleurs rouges, donc qui étaient les roses, n'existent plus. Enfin, elles ont été séparées en deux catégories, je crois. Et là, c'est une... C'est une poppy, je ne sais pas ce qu'est une poppy. C'est un coquelicot, je crois. Ah, donc c'est un coquelicot, voilà. Les roses sont maintenant des coquelicots, il y a d'autres types de fleurs rouges qu'on verra. Oui, il y a les roses aussi, mais c'est des plus des rosiers, on va dire. Ouais, c'est... enfin, on verra bien, il faut qu'on trouve de nouveaux biomes. Je vais me faire du pain. Moi, j'ai pris un peu de melon aussi. Je risque de crever la dalle. Alors cette fois vous avez vu la plupart des séries, on essayait de les commencer avec un pseudo scénario, enfin un genre de truc, des petits délires. Là rien de tout ça, hein, c'est la suite d'1.6 tout simplement, sauf que le monde autour de nous s'est développé. Wow. Bon, moi j'ai raison, je vais le faire. Des fleurs qui changent, mais c'est terrible, comment ça a pu se passer que les fleurs changent de couleur comme ça, je ne comprends pas. Ah t'as réparé le... bateau, et moi je propose de partir par là-bas. J'ai pas de flèche, assez. Tiens mon bateau. Ah parce que je t'en fasse un aussi. Ah ben oui. Ouais c'est bon. Par contre, donc du coup il y aura quelques améliorations. Alors dans cette série on va sûrement essayer de construire le ranch. Ça prendra pas autant de temps que la baraque, vous inquiétez pas. Et peut-être construire une zone de pêche là-bas puisque la pêche est améliorée. Je pense qu'on ferait un épisode pêche. Bien sûr un épisode avec plein d'accélérés ou voilà, enfin ce genre de truc. Je te suis, c'est toi qui as mon bateau. T'es où? Dans ton. Ah t'es là, tiens. Derrière toi. Par où? Par là. Ok. Le soleil se couche peut-être, mais bon, nous naviguerons. Et d'ailleurs, je suis en train de remarquer, là, j'ai aucun bug de lumière. Alors que d'habitude, on en a toujours. Moi, je n'en. Alors, apparemment, ils ont encore corrigé les bugs de lumière, ça veut bien dire. Ouais, il y en a moins qu'avant, je pense. Pour l'instant, j'en ai pas. D'habitude, j'en ai toujours plein dans l'endroit là-bas, dans la grotte. Voilà. Dans la falaise. Putain, j'ai mal. Ouh, il y a déjà un squelette qui crame là-bas. Ouais, parce qu'il c'est entre le. C'est entre le jour et la nuit en fait. Ah bah non, c'est moi qui crame plus. Moi je propose qu'on attaque ces motherfuckers. Du coup je l'ai one shot. C'est moi, les graphismes, il y a un truc qui a changé. Je sais pas, il y a une option que j'ai pas remarqué. Dites-le dans les commentaires. Mais ils m'ont l'air plus. C'est quoi ça? Ah, c'est une vache avec un bug de lumière. Je voyais une vache noire à points blancs, tu sais. Je faisais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était un bug de lumière. Donc justement, on en parlait. Ils n'ont pas si. Fais voir mon arc super puissant ce qu'il peut faire à ces fuckers. Bon, lui tu l'as déjà amoché. Bon, bah le prochain qu'on trouve, je lui pète la gueule. Oh putain, mais j'ai déjà... Ah, je sais pas si... Ouais, il y avait un bug comme ça pendant les snapshots, c'est la barre de fin qui descendait super vite. Ah, d'ailleurs, tiens, maintenant, on a une touche de sprint aussi. Ah bon? Dans les contrôles, tu peux régler une touche de sprint. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, mais je préfère... Bon, je sais pas trop, en fait. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas visité après l'océan. Donc j'arrive. D'ailleurs, moi, l'eau, ça a changé, ça, y a des petits bugs, je sais pas trop, c'est bien que c'est quadrillé. Non, mais moi, ouais, il y a toujours un espèce de quadrillage parce que c'est des blocs d'eau, mais Avast, casse-toi, vous l'avez pas entendu parce que je l'ai mis en silencieux, mais... Les gros murs, tu vas voir. Je vois rien. Je vois rien du tout. Wow. Le nouveau monde, Homer. C'est classe. Passe à droite, ouais, parce que là c'est ça du nous, normal, ça on va passer à droite. Vraiment les nouveaux murs, les nouveaux mondes, j'adore. C'est classe. La limite du monde. Ah, si, franchie. Si, c'est un nouveau biome, c'est Oui. On a franchi la limite du nouveau monde, Homer.
Non, mais le premier qu'on est arrivé là, c'était un biome normal. Hein. Oui, mais c'était un biome normal, mais il y avait quand même le gros mur. Non, te casse pas, te casse pas. Putain, l'enculé de ça. Le mien s'est brisé aussi, donc on a échoué. On a échoué dans ces terres. Et oui, ça, c'est du biome. Ça, c'est une. Extrême île aussi, mais. Il y a moins de. Il y a pas de. C'est tiens, pas d'ailleurs, de... là-bas, on voit qu'il y a de la neige sur la montagne. J'ai l'impression que c'est. Alors, je veux tenter un truc. Ça va être extrêmement suicidaire, mais. C'est une évolution du Extreme Hill parce qu'il n'y a pas de terre sur les. Coucou, ça va? Ou ça génère, ça lag. Hein. J'ai rien compris. Ça n'a pas marché, ou je ne sais pas quoi. Attaque de zombies! Lag! Je suis en flamme! Non, mais ça génère de la map là, c'est un peu. Oh, zombie villageois! Salut! Ah oh, putain, ce que. Donc, oui, là, c'est un biome. Bah vous voyez qu'en fait c'est le principe d'un extrême. Alors je sais pas si c'est extrême île, tu veux vérifier avec F3? Ouais c'est extrême île mais. C'est extrême île sauf qu'il n'y a pas de terre, hein, c'est directement on... de la roche. Voilà, et on peut voir là-bas qu'il y a bien de la neige sur les hauteurs de montagne. Ah oui. C'est intéressant. C'est intéressant et mais oui, aussi ce qu'il y a, c'est que c'est bien foutu, mais c'est pareil, si tu rases la montagne par exemple, bah il y aura de la neige par terre. Ah ouais. C'est enfin. C'est ça que je trouve dommage, ouais, quoi. Ouais, d'accord, je vois. Ils ont voulu faire un truc plutôt réaliste, mais ils ont pas poussé. Moyen de l'améliorer, le meilleur moyen de l'améliorer, ce serait de faire de la neige en fonction du niveau. C'est-à-dire, si tu réduis la montagne, oui, bah, c'est ce que je disais au départ. C'est ça qu'il faut faire, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quand même logique d'y penser. Ah, mais c'est un mur, on est en haut du mur, là. Je vois les eaux trop loin. On a plus de bateau. J'ai encore un peu de bois, ouais. Mais j'ai du bois et un... Oh, attends, non, mais je veux... Regarde, on va voir si mon arc est puissant. Je vais pourrir ce petit creeper. Non oh, putain fail oh. Oh putain, puis je suis super... Est-ce que je peux me TP? Oui, TP-toi. Et puis après. Oh est-ce que je le remets Je suis sûr que je peux y arriver. Regardez cet arc, flamme, punch, power 3. J'ai un demi-cœur. C'était très dangereux. J'ai failli complètement bon, là. On se barre. Y'a un creeper, tue-le, s'il te plaît, tue-le. J'arrive. Pourquoi y'a des. Ah, c'est à toi, ça se. Oh Headshot. Si t'as pas d'arc, je veux bien tes flèches. Pour nous défendre. Si, bah j'ai un arc. Ah. Tiens, je viens d'avoir un bug, une case de mon inventaire qui a disparu et on voyait l'eau à travers. Ouais, moi aussi, les caisses de mon inventaire ont tendance à disparaître. Voilà. Oh, ça va. Non, ça va pas, je suis d'accord. Bon, bah, du coup, je mets un atelier ici. T'es où? Ouais, t'es où toi? Sur le côté de ce gros merdier. Putain, je suis dégoûté d'être crevé. Et en plus, j'ai touché l'eau, quoi. J'ai touché l'eau sur une jambe. J'aurais dû me casser qu'une jambe. Ouais, mais bon. T'es où, bordel? J'allume un feu! J'allume un feu, repère-moi! Non, mais c'est moi, je pratique. T'as vu un trou dans la montagne là-bas? Le trou dans la montagne. Le soleil passe à travers le matin et illumine la côte. Sans plus. C'était très poétique. Et reprends. Non, laisse-le moi, c'est bon. C'est bon, t'as fini ton truc? Non. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ouais. Merci. Allez, repartons vers de nouveaux biomes aventures, ce que tu veux. C'est quoi le Adventuring Time? Ah putain. Non. Adventuring Time. Là-bas, il y a encore un. C'est une plaine. Alors, moi j'ai généré une map, toutefois il y avait une plaine, il y avait au moins 50 chevaux dedans. Waouh! Petite plaine, hein. C'est vrai et nous, faudrait... là on est parti en bateau, mais il faudrait essayer de trouver aussi des biomes atteignables. Il y en a, mais il faut repartir. Oh, regarde, rien que là, un petit détail, des herbes. Non, hautes. Putain, je l'avais pas vu, il y avait un cube. T'as vu, il y a des herbes ramène hautes. Ramène ton truc. Il y a des herbes hautes sur ta gauche. Oui, des herbes hautes. Avec attends, un on s'arrête ici, juste. Non, tu peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire merci. Tu peux me dire merci, je viens de te sauver ton bateau. Ouais, enfin, tu viens de m'en mettre une bonne, quoi. Mais je suis pas fait exprès, par contre, mais tiens. Oh, regarde, là-bas, une forêt. Une forêt, tout ce qui est de plus normal. Par contre, je perds vite ma faim, j'ai l'impression. Et ouais, on voit bien dans les jungles, le mipmap, je crois que c'est ça, hein. Attention, araignée, là. Elle est pas... Qui fait que les feuilles sont... Oh, des nouvelles fleurs! Des fleurs blanches, des marguerites, ça ressemble à des marguerites. Et les fleurs, oui, elles spawnent en fonction du... Oh, du biome. Oxide Daisy, what?
Ouais, puis y a ça aussi. C'est l'anglais, mais... Oh, une jungle là-bas. Azur, tiens, des bleuets. Bleuets azur. Récupère des fleurs blanches. Tiens. Il y a des moutons aussi, mais... Tu vas voir, les... Tu les as où, à... Tiens, elles sont là. Ah, elle est azur bleuet. Attends, elles sont où que j'en récupère? Beaucoup de moutons ici. Ouh, il est en... Ouais, il est en cuir, je le vois du coin de l'œil. Azur bleuet, je récupère. J'ai vraiment envie de tomber sur une forêt de fleurs. Ça peut être trop classe. Parce que ça existe, les forêts de fleurs. Oui, c'est... C'est une forêt, mais avec une chier de fleurs au sol. Est-ce qu'on va vers la jungle ou est-ce qu'on continue plutôt vers la forêt ou vers la plaine? On a le choix. Moi, je propose d'aller là. Et on voit d'ailleurs ici les... Alors, je lag, j'ai toujours pas mon nouveau PC, ça... Waouh, ça fait mal. La nouvelle texture de la canne à sucre qui change en fonction du biome. Ouais, attends, je viens voir ça parce que ça m'intéresse un petit peu. Tiens, là-bas, il y a des fleurs hautes. Waouh, regarde ce zombie, là. Il est en... En côte de maille. Du coup, il est résistant, ce que... donc voilà, des herbes hautes, hein, vous en voyez, machin, les moutons se cachent dedans. Et oui, là-bas, il y a des fleurs hautes. Et les fleurs hautes, elles sont faciles à reproduire. Ah, les fleurs hautes, oui, j'en vois. De bonnes mille dessus et c'est bon. Tiens, d'ailleurs, j'y vais à la nage. Alors, les fleurs hautes... Par contre, les fleurs hautes, quand on les casse, ça va me donner quoi? Des petites fleurs ou des fleurs hautes? Non, des fleurs hautes. Mais c'est juste que... En fait, pour les reproduire, parce que les autres fleurs, tu peux pas les reproduire à part avec de la bonne mille dans le biome où elles spawnent. Ouais. Alors que celle-là, t'as juste à faire avec de la bonne mille, un clic droit dessus, et elles se reproduisent toutes seules. Ça drop. Ah, c'est du lilas. Enfin, ça marque lilac, donc j'imagine que c'est du lilas. J'en déduis. Le jour se lève, tant mieux. J'ai envie de dire, parce que j'en ai marre d'avancer en étant attaqué. D'ailleurs, j'entends un zombie. Je vais essayer de faire le tour. Il y a une araignée qui nous a suivis. Donc soit elle nous lâche, soit je la bute. Et là on est dans ce... Ouais, elle est coincée sous un arbre. Quoi de nouveau au pays? Des bisounours. Bisounours, ouais. Ah, il faudrait qu'ils ajoutent le biome bisounours. Alors j'aimerais bien trouver du nouveau bois. Alors ça c'est du bois. On les connaît... Ah tiens, les... Ça c'est des nouvelles montagnes avec les arbres... Oh, tournesol. Ah oui, des tournées. Qui sont toujours dirigés. Ils sont tous dirigés vers le soleil, en tout cas, actuellement. Oui, non, mais vers le soleil où ils spawnent. C'est-à-dire, quand ils se couchent, ils seront toujours tournés là-bas. Ils tournent pas, je crois. C'est vers l'ouest ou l'est, je sais. L'est. L'est, ouais. Attends, dirigé à l'est. Les tournesols, je trouve ça classe. Pour faire des champs de tournesol et tout. Et oui, ça, c'est un nouveau biome aussi. C'est les îles avec des arbres qui dessus. L'extrême île. Ah, d'accord, c'est les. Ouais. Oh, des chevaux marrons! Mais on peut pas en ramener, enfin je veux dire, on est vraiment trop loin. Quoi. On reviendra, t'inquiète pas. Oh, il est loup, ça faisait longtemps. Oui, c'est de la taïga, mais en. Ouais, c'est de la taïga, donc on est. C'est de la taïga M qu'ils appellent ça. D'accord, ouais, voilà, M c'est pour dire massive. Et on trouve des loups dans les taïgas massives et des chevaux. Donc tu vois, c'est les chevaux, tu peux venir voir les chevaux? Ouais, mais je. Tu vois, quand je te parlais de forme et de couleur, ils ont une couleur différente, marron. Mais par rapport à nos chevaux, ils ont les mêmes formes, c'est-à-dire que lui. Il a des points noirs, lui il a des pois blancs, lui il est uni, marron uni. Donc tu vois, c'est les mêmes. Par contre, du coup, là, si on met un marron point noir avec un gris pois blanc, on peut obtenir un marron. Un gris pois blanc, par exemple. Enfin, tu vois l'idée quoi. Tu peux obtenir des trucs que t'as pas en mélangeant les couleurs et les formes. Oh, regarde la plage, elle grimpe sur la montagne et tout. Alors j'ai remarqué aussi. Ouais, non, pas ici. L'océan, parce que j'ai pu voir un océan sur une map, sur ma map perso, parce que je voulais tourner un truc et puis finalement j'ai pas fait. Mais j'ai généré une nouvelle map et au fond des océans, tout est en gravier, j'ai l'impression maintenant. Ce site à vérifier, mais il me semble que tout est en gravier et c'est plus logique que mettre de la terre. Parce que le gravier, ça peut s'apparenter aux sédiments et au fond de la mer, vous avez des sédiments et il pleut. Le son de la pluie, je l'avais beaucoup diminué. Et tu peux maintenant modifier... regarde la page des sons, ouais, là. Ouais, j'ai vu. Je viens de la montrer vite fait. Ils feront pause pour ceux qui veulent voir. Mais t'es où? T'es rentré dans l'espèce de forêt, là? Je longe ouais, la côte. Je te vois. Je te propose qu'on reprenne nos bateaux et qu'on continue.
Et attends, je voulais voir s'il y a pas, parce que moi ça me fait chier de me recrafter un Les bateau. biomes sont apparemment plus petits. Bah d'ailleurs là on avait facilement visité déjà trois Et biomes. surtout, ils sont mieux coordonnés, c'est-à-dire que tu peux pas Ouais. trouver un. En fait, t'as trois types de biomes, les biomes secs, arides, les biomes normaux, les biomes On est toujours en taïga M. humides ou froids, ou ouais, Ouh, froid, je biome crois. Et du coup, tu buisson. peux pas trouver un biome Ouais, froid à désert à côté côté d'un d'un biome biome. aride, ce Ouais. qui est logique. Ce qui est plutôt C'est logique, ouais. plutôt, enfin, c'est mieux réparti, quoi. Oui, non, mais vu que de toute façon les biomes sont répartis généralement en fonction de la température, tu trouveras généralement pas une température chaude suivie d'une froide tout de suite à côté. C'est logique. Je te propose qu'on prenne la mer, Homer. Bah moi je sais pas ce que bah Je sais pas où t'es en fait. ramène-moi un truc, une table de craft. T'es où? Bon attends, je vais récupérer un bout de bois. Où est-ce qu'il est? Ah, te voilà. Et je vais manquer de bouffe, donc je pense que la prochaine vache sur laquelle je vais tomber, je vais la défoncer. Ouais, t'as eu un succès, c'est Et d'ailleurs, génial. tu peux, quand tu fais T et que tu passes ta souris devant le truc, ça met ce que c'est l'achievement. Ah ouais. Je pense. Ah oui. Je pense que. Ah tiens, du. Alors vous pouvez peut-être pas comparer, mais voilà, la canne à sucre est différente de couleur par rapport à ce qu'on a vu dans la plaine tout à l'heure. Qu'est-ce que T'es je où, voulais toi? dire? Ah, t'es là. J'étais dans le coin. T'as bien fait de mettre une armure en or, comme ça on te remarque. Ouais. Tiens, on a collé là-bas. Avant j'avais une armure bleue, tu vas pas me dire que c'était pas remarquable. Non, parce que le bleu vers l'eau, bah, ça se voit pas. Et ben la prochaine fois je la ferai rouge. Tu me suis? Je la ferai arc-en-ciel ma prochaine armure. Comme ça, quel que soit le biome, tu me verras. Tu verras une partie de l'armure. Du coup, on sait pas vers où on a. Alors, je pense que pour revenir à la maison, il y a de fortes chances qu'on se TP ou qu'on revienne en game mode. Hein. Tiens, je pense qu'on est au-dessus d'un océan là. Tout à l'heure. Arrête-toi, Ouais. s'il te plaît. C'est un deep océan, alors je sais pas ce que ça veut dire deep. C'est un océan beaucoup plus profond que normalement. Arrête-toi et garde mon bateau. Garde ton bateau. Non, garde. Je descends. Je rentre dedans? Je descends en profondeur. J'espère qu'il a pas ajouté. Putain, ah ouais, on voit plus la surface de l'eau, quoi. Et ouais, c'est du gravier au fond. Ramène-toi parce que là ton bateau il avance, Non, hein. mais je vais me noyer. Ah! Aïe. Aïe. C'est bon. Je suis monté dans mon bateau par en dessous. J'ai traversé le bateau. Enfin bref. Et ouais, donc maintenant c'est du gravier au fond des océans, ce qui est beaucoup plus logique. Par contre, beaucoup moins pratique quand tu débarques dans un océan, hein. Quand tu sors de sous terre sous un océan, t'as une belle surprise quoi. Gravier plus eau dans ta gueule. Ouais. Mais c'est Bon, là, logique. ça on C'est a plus déjà vu, logique. c'est un biome normal, je pense. Par contre, les biomes océans, il n'y a rien de nouveau en fait. Ils ont dit qu'ils les amélioraient. Mais ouais, tu trouves de nouveaux poissons quand tu pêches, mais c'est tout quoi. Je sais pas, ils avaient dit qu'ils étaient plus petits. Ouais, ils Qu'ils sont étaient tout assez petits. grands pour que tu vois pas la côte en face de toi, mais assez petits pour Ouais, non, pas mais mettre trois celui-là, si plombes. on l'a traversé, il est plutôt petit. Mais en fait, moi, quand il disait plus vivant, je m'attendais à des. Je sais pas, des animaux, même des requins, enfin des poissons, quoi, n'importe Oh, quoi. ils ont jamais dit ça. Hein. Et en fait, non, il n'y a que des poulpes et. Bref. Par contre, on est un peu toujours à côté de la taïga. Mais c'est ça que ce que je dis, moi, ce que je reproche, c'est que tu trouves tout le temps les mêmes biomes. Moi, j'ai fait une map. L'autre fois, c'était une map savane. Et ben, il y avait que de la savane. Savane, désert, savane, désert, savane, désert. Et je te jure, et Ouais. j'ai bougé en game mode pendant au moins 30 minutes en trouvant que de la savane et du désert. Hein. Le mieux serait de trouver un désert, comme si on trouvait de la savane. Bordel de merde! Bon, là, c'est plus de la taïga, Mais désolé, vu c'est qu'on est du en désert. taïga, ça veut dire que pour trouver un désert, faut trouver un biome normal déjà. Ouais. Mais Qu'aucun océan, c'est un biome. Ouais. j'aimerais bien qu'on sorte de cette merde, quoi, Puis tu vois, et. en fait, s'ils avaient dit que les océans seraient plus petits, regarde, ils sont toujours pareils. Hein.